Comment faire dans un exercice quand on vous donne un rayon incident sur un système qui est divergent et qu'on vous demande de le faire émerger en utilisant un foyer secondaire image phi'? Un foyer secondaire image phi', ça se repère dans tous les cas à la verticale de f', quelque part par ici. Donc il va se passer quelque chose le long de cette droite. Un phi', ça se repère avec un rayon émergent. Attention au piège. L'impression que l'on a de ce rayon qui croise l'axe vertical est vraiment fausse. Ce rayon qu'on me donne est un rayon incident et il ne peut en aucun cas me permettre de localiser un phi'. Je le répète, un phi', ça se localise avec un rayon émergent. Et un rayon émergent, dans cet exercice-là, je n'en ai pas. Pour avoir un rayon émergent, je vais tracer un rayon parallèle à celui qu'on me donne, mais parallèle qui passe par un endroit qui m'arrange, comme ça je pourrais le faire émerger. Et avec ce rayon émergent que j'aurai, je pourrais trouver mon phi'. Alors un parallèle à lui qui passe par un endroit qui m'arrange, un endroit qui m'arrange, ça va être par F. Un rayon incident comme ceci, qui par prolongation en tout cas, parce que le système est divergent, passe par F. Lui, je sais comment il émerge parallèlement à l'axe optique. Voilà. Ça y est, j'ai donc réussi à faire émerger un rayon. Et c'est lui qui peut me faire trouver un phi'. Alors là, je suis obligé de prolonger parce que ce rayon, il est émergent à droite du système, ça c'est sûr, alors que le système est divergent avec F' à gauche. Donc ils ne sont pas du même côté. Je vais donc prolonger ce rayon émergent jusqu'à ce qu'il croise à la verticale de F'. Et c'est là que je vais localiser mon phi'. Enfin, un phi'. Les deux rayons incidents que j'ai pris étant parallèles entre eux, ils vont émerger en passant par le même phi'. Donc le rayon qu'on m'a donné, il doit lui aussi passer, réellement ou par prolongation, par le même phi'. Donc il doit émerger comme ça va être par prolongation, hein. Là j'ai pas le choix, il doit émerger à droite alors que phi' est à gauche. Donc la seule solution possible c'est de jouer avec les prolongations du rayon. Donc il émerge comme ça, en donnant l'impression, en tout cas, d'être passé par le même phi'. Et c'est ainsi que j'ai pu construire un rayon émergent en utilisant un phi'.